Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Lego Fortnite. On se retrouve dans le biome neige près de chez moi, car il y a un drop. Lait, des piments, dynamite, citrouille. Ok. Il y a des mecs, il y a un gros sac là-bas. Hop, moi je vais rentrer et on va se retrouver. Voilà, on a quelques petits trucs à voir dans les murs déjà. Ok, mur de chalet, tout ça. C'est beaucoup tout avec vous comme d'habitude. Une porte. Ça, ok. Clôture, celle-ci. Ah, et là. Ok, le coin. Normal. Là-dedans. Ça, les toits. Les toits, il y en a toujours plein. Ah, voilà. Là-dedans, les gadgets. Ah bah oui, ça. Il faut quand même se faire le véhicule qui n'est pas là, mais là. Ça, à rigueur, il faudrait que je rassemble les ressources et que je me le craft près de l'avant-poste impérial directement. Vraiment dit, à l'autre bout là-bas. Ça peut être sympa, je vais démonter l'abri. Du coup, je suis en train de faire des blocs de malachite. Ça, ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Ça s'est arrangé, c'est rien. Donc, j'ai besoin de lingots de fer, de blocs de malachite et de pain nordique, plus les éclats de je sais plus quoi que je vais démonter. Ça s'est arrangé. Ça, ça a ramené là-bas parce que c'est tout ce que je vais utiliser. J'ai fait les armes. Oh oui, contre-coup, je me suis dit qu'en fait, j'aurais peut-être pas dû les faire. J'aurais pu juste les looter, puis voilà. Mais c'est pas grave. On a un sabre laser qui a été donné le dernier coup. Donc il va falloir que je teste ça également. On a une arme là qui est quasiment foutue. Et moi je suis en train de construire un petit truc ici. Bon, d'essayer. Donc j'essaie de faire ça et on se retrouvera juste après. One eternity later. Bah dis donc, j'aurais bien galéré. C'est pas exactement comme j'aurais voulu. Mais j'ai mon bâtiment. Et voici le voilà. Voilà. Avec un toit plat. J'ai pas réussi à faire mieux. Il y a des grands, il y a des petits ici. Là, on a mis des coins pour pas faire mieux. Là, regardez ce que ça donne. Hop, escalier ici. Porte directement par ici. Comme ça, là, quand on rentre, on n'est pas emmerdé. Hop, directement ça. On peut passer. C'est cool. Et du coup, juste fenêtre. Là. Des murs, des murs, des murs. Voilà. Du coup, maintenant, je vais déplacer tous mes ateliers. Donc, il y en a quand même pas mal. Et tout ça à déplacer là-bas. Et on se retrouve juste après. J'ai dû aider des poules là, qui m'enquiquinaient chez moi. Il y en a une qui me donne une tourte. Que je vois, bah, j'en avais pas. Donc, c'est cool. Et j'ai encore pas tout à fait fini mon rangement. Mais ça devient bon. On va bientôt se retrouver. Là, il faut que j'aille chercher un peu de bois nordique. Parce que je suis en PLS. Et je me suis fait une pioche. Avec deux modes de durabilité et un de dégâts. Voilà. Comme ça, on est pas mal. On se retrouve de nuit. Comme ça, c'est un peu plus stylé. Regardez comment c'est beau. Oui. Bon, après, là-bas, ça manque de lumière. Mais bon, c'est pas bien grave. Faut faire avec. Donc, le petit bâtiment tout pourri qui était là, il y est plus, comme vous pouvez le voir. J'ai tout remis là-bas, comme prévu. Il faudrait beaucoup de diaphanite pour faire des lumières. Et c'est pas grave. J'ai pas envie d'aller en chercher. J'ai déplacé le feu ici, au centre. C'est mieux, je trouve. Cœur de lion, ouais, salut. Et du coup, bah, tout est là-bas. Hop, je vais manger un petit coup avec vous, tant que j'y suis. Voilà, j'ai juste mis des torches ici, que j'ai balancées. Faut pas faire mieux. Au niveau de la lumière, malheureusement. J'aurais bien voulu mettre des lampes murales. Et malheureusement, on peut pas. Donc, commençons du côté là. Nous avons l'établi avec les trucs en bois qui ont été transformés. Nous avons justement un coffre pour le bois. Donc oui, maintenant, j'ai mis tout le bois mélangé. Et du coup, ici, nous avons la série pour transformer tout le bois. Du coup, ça repart là-bas. Donc oui, j'aurais pu faire l'inverse si je voulais, mais non. Nous avons ici le rouet. Donc on peut faire tout ça dedans. Donc, on a les matières premières ici. Donc, oui, je sais, il y a les cordes
qui se font également là-dedans. Mais elles sont utiles pour faire des cordons. Donc, matière première. Ici, nous avons fil de soie, fil de laine. C'est matière première pour faire le tissu en laine et le tissu en soie dans le métier à tisser. Ici, nous avons tout ce qui est malachite, obsidienne, granit, sable, marbre aussi. Excusez-moi. C'est ce qu'on va utiliser dans le concasseur de pierre. Malachite, obsidienne, marbre, granit, sable, pour faire du grès. On peut faire du grès là-dedans. Nous avons d'ailleurs deux gemmes ici, donc saphir, rubis, ambre. Donc, juste à côté. Ici, nous avons la fonderie, donc c'est tout ce qui va être lingot de fer. Duracier, donc le morceau de duracier que j'ai, au final, moi je vais les transformer ici. Ils ne serviront pas à faire autre chose, clairement. Des lucioles, il y en a tout le temps. Donc lingot de fer, c'est du fer et du diaphanite. Donc diaphanite, bah, j'en ai plus beaucoup, malheureusement. Du cuivre et du diaphanite. Le verre, c'est du sable et du diaphanite. Bon, le sable, je l'ai mis là-bas, au final. Mais il y a un coffre pour le cuivre, parce qu'il y en a tellement. Un coffre pour le fer et le diaphanite. Luciole, t'es où Luciole? Ah, t'es à l'intérieur. Ok, elle a pété à l'intérieur, la con, là. Magnifique. Deux blés. Ouais, le problème, c'est que moi, je suis blindé. Parce que j'ai tout plein de choses sur moi. Attendez, je reviens. C'est bon, j'ai pu ramasser tout ce qu'il y avait. Donc ici, nous avons la table à essence. Donc c'est pour, évidemment, mettre tout ça. Voilà. Et à côté, ici... j'ai du bordel, on va dire. La poudre explosive, fil de laine, tout ce qui a été transformé, quoi. Ouais, je sais pas trop à quoi ça me sert au final. Donc, quand j'en ai besoin, c'est là, j'ai une amulette. J'ai d'autres trucs à remettre là, mais je le mettrai plus tard. Ici, on a un coffre avec tout ce qui est animal. Donc, les os, les griffes, les carapaces, les écailles, et puis même les noyaux explosifs. Pour moi, ça reste un animal, la bestiole là. Ici, nous avons les minerais transformés gris. Ensuite, minerais transformés vert. Minerais transformés bleu. Et ensuite, minerais transformés violet. Voilà pour ici. Mais attendez, c'est pas fini. Faut que je vous montre ici quand même ce qu'on en est. Les choses là-dedans, non, il n'y a plus rien. Ok, c'est bien. Les graines. Les graines là, elles sont bien là en fait. On a besoin pour quelque chose. Ouais, voilà. Ici, c'est cool. Le maïs, on va en manger. Puis on va le ranger. Au final, il n'y en a plus beaucoup. Là. Ouais, il y en a plein là. Mais bon, on a deux stacks de nœuds. Donc on va prendre des nœuds avec nous. Voilà. C'est un sacré bordel. Ça. Canne à pêche. Ouais, je pourrais. Il faudrait que je prenne ça, mais c'est compliqué, j'ai pas. Tout après qu'il y en a pêche, on peut laisser là, c'est pas bien gênant. C'est que ça, c'est pas bien gênant non plus, quoi. Mais cette explos, faut que je vais vers de là. Regardez, surtout ce que je vais vous montrer, c'est ici. Dans ce coffre. On a un peu de biomasse. Mais ici, énormément d'engrais et de terre. À force de recycler. Regardez, il y en a encore tellement. Ça fait que ça, j'arrête pas. Et qu'il y a des trucs que je ramasse avec les lucioles, hop, je mets ça là-dedans. Parce que bah au final, je n'ai pas l'utilité. Du coup, ce que je voulais mettre, là, c'était ça, tout ce qui est équipement là-dedans au final, que je ne me sers pas. Là, le duracier, je peux le prendre. Voilà, même si j'en ai déjà sur moi. C'est pas bien grave. Le duracier, par contre, je ne l'ai pas déplacé. Établi là non plus, du coup, je ne l'ai pas déplacé. J'ai laissé ça là. Pas tout mélanger. Et bah voilà ce qu'on a ici. Bon, on est pas mal. Vous avez vu que moi j'étais blindé. Je suis blindé pour faire le kart de course. Mais regardez aussi ce que j'ai débloqué, le tout-terrain volant. Donc normalement, j'ai pris de quoi faire les deux véhicules là. Vous savez quoi, les deux véhicules là? Je vais les faire là-bas. Voilà, ici. Je vais me les faire là-bas, ça sera bien. Et du coup, on se retrouve là-bas. Du coup, il faut que je prenne le bus pour atterrir là. Et ensuite, on pourra faire les véhicules. Et voilà, on est arrivé. Il y a un loup, il y a encore une bestiole derrière, là, une brute. Donc, on va commencer avec le kart de course. Et non, le quart, comme j'avais dit le dernier coup.
m'as entendu ça au montage, je me dis ouah, qu'est-ce que j'ai dit comme connerie. De la merde, voilà ce que j'ai dit comme connerie, tout simplement. Calmez-vous, vous là-bas. Un peu bruyant, non? Un peu, mais il faut faire avec. Attention qu'ils viennent pas nous emmerder, surtout. C'est le plus important. Donc, on trouve ça tranquille. Ah, j'ai oublié le biocarburant, je crois. Ouais. Pas grave, on ira en chercher après. C'est juste un aller-retour à faire pour moi. Balustrade. D'accord. Et... La vache! Waouh. Énorme. Énorme. Voilà, nous avons un petit véhicule, mais oui, du coup, j'ai pas de carburant. Donc c'est un peu compliqué. Bon, ça m'aura libéré un peu d'espace. C'est mieux que rien du tout. Faut que je vérifie derrière aussi. Non, on va le laisser, on va juste se barrer. Je reviens là dans 30 secondes pour vous. Ah, moins, dans une seconde pour vous. On est de retour. Ouais, bah toi déjà. Viens là. Non, c'est bon, tu m'emmerdes pas. Si, tu viens m'emmerder, évidemment. C'était con, là. Saloperie. Ah, une tarte aux fruits. Cool. Pour la manger. Alors, on peut ouvrir ça. On peut en mettre deux là-dedans. On va enlever la viande, on n'en veut pas. La tarte aux fruits, allez, on la consomme direct. On s'en fout. Un peu long. Voilà, c'est fait. Allez, tranquille. Et du coup, moi, ce que je voulais faire, c'est démonter ça. Ça me donne des éclats de faille, voilà. Arrêt de bus. Ici. 3 éclats de faille, voilà, c'est tout. On a besoin de rien d'autre. Du coup, j'ai pas besoin de démonter le restant. Non, ça donne pas de ressources en plus. Non, bah c'est cool, allez. Oh. Et voilà, plutôt comme ça. Bon. Du coup, faut déjà aller au sud. Alors, ce que ça donne, ce truc. Voilà. Ouais, bon, je pense que ça grimpe quand même plutôt bien, effectivement. Ça a juste... Oula, doucement. Ça a juste un peu de mal de tourner, je trouve. Par contre, ça pète tout. Le loup. Hop, il dégage. Ouais. Oula, oui, d'accord. Ouais, il a énormément de mal de tourner par contre. Et waouh. Il en chie. Ok, d'accord. Excuse-moi mon loup. Je ne fais que de passer. J'essaie de tourner mais il dit glisse et glisse et glisse. Wow. C'est quoi ce délire? Mon dieu. Quel bug. Magnifique. Bonjour les copains. Ok, on va y arriver quand même. Mon dieu, ouais bon. C'est très glissant comme véhicule. Au final. On est rentré. À mon poste, c'est cool. Du coup, waouh. Quelle galère. Ouais, sur le deuxième véhicule juste à côté. Mon dieu, mais... Qu'est-ce qui est compliqué à tourner celui-là? Et donc nous avons le tout-terrain. On va le construire par là-bas, comme ça on pourra directement se déplacer. Donc une grosse plateforme. Ensuite le siège. Ici, c'est encore des plateformes. Il y a une grosse, la vache. Ça va où ça? Arrière. Un autre siège, d'accord, le devant. Oh, mais c'est tout petit, ça, les petits ballons. Ouais. Je sens déjà que ça va être génial, ce truc. Mon dieu, ça me hype de fou. Un véhicule volant, quoi. Donc forcément, c'est trop bien. Hop. Les petits propulseurs, là. C'est génial.
c'est génial. Et des gros propulseurs en plus. Waouh. Mon dieu. Je vais l'aimer ce véhicule. J'espère qu'il va être bien manœuvrable quand même. Et encore deux. Sérieux. Waouh. Il y en a six. Il y a six propulseurs. C'est énorme. Ça c'est quoi? Un grand ballon à activation. Ah oh. Encore des petits ballons à activation. Ok, et les lumières. Ok. Le terrain est construit. Moi, de faire quoi que ce soit, je viens ici. Ouais, j'ai ça. Ah, il faut juste acheter du confort et puis de toute façon, il faut faire ça aussi, je pense. C'est ça. Ok. J'ai beaucoup trop de choses sur moi, donc il va falloir que je me fasse un coffre. Avant de me faire un coffre, vous savez quoi? On va récupérer l'envire. On va récupérer ça. On va le mettre là. Ah, on peut en mettre deux. Ok. C'est de l'autre côté qu'il faut grimper. Hop, 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 lâche-moi. Ok. Alors, carte détournée, marche avant, marche arrière. Ouais. Bon, déjà, ça tourne mieux. Ah, ça tourne et ça se retourne, oui. J'ai brillé quoi? J'ai brillé les lumières, c'est ça? Ah. Bon, bah, voilà, ça commence bien. N'importe quoi. Moi, je vais essayer de le débloquer ou au pire, je vais le reconstruire. On va bien voir. Voilà. Oh, j'ai dû le reconstruire. J'ai pas réussi à le démonter, malheureusement. Moi, le retourner, pardon. Donc, on remet ça là-dedans. Et on s'assoit. Du coup, on retente. Ah, un coffre. Bah, bah. Voilà, quoi. On va s'arrêter là. Allez, on fouille ça. On pourra pas prendre, on est blindé déjà, mais bon. Ah si, j'ai pu prendre. D'accord. Pourquoi pas. Mais on est quand même blindé, faut dire ce qu'il est. Juste à côté de chez nous quand même, le coffre. Bon. Je disais. Ok. R, ça c'est le R. Le F. Ok, le F, il se passe rien, toi casse-toi. Lâche-moi, m'emmerde pas. Alors. Le F, il se passe rien. Le C. D'accord. MV. Ok. Alors on peut avancer. Oh non, non, on avance, on s'arrête jamais quoi. Ah si, c'est bon. Et du coup, on fait comment pour tourner? On peut pas. Parce que je comprends, on est obligé de... d'atterrir. On tourne comme ça. Voilà quoi. On se remet au sol et on peut tourner. Je pense que c'est un truc de style. Oui, bon, ça peut être sympa en vrai. Oula. Calmez-vous. Il faut que je retourne ma base et on est bon. Allez. Plus ou moins par là. Voilà. Donc, on a dit C et B. Et ceci. Ah ouais, c'est un peu plus par là-bas. Mais bon. Magnifique. Ouais, bah ce véhicule, il peut être vachement cool, franchement. Aérien, terrestre en même temps, ouais, ouais. Pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur véhicule.
Faudrait juste avoir un petit compartiment pour stocker. Et on serait au top du top. Du coup, je vais aller leur mettre là-bas. Oh ouais, excusez-moi, je ne fais que de passer. Verrez-moi vos merdes, là au pire, elles me gênent. Ah, on garde ça ici. Meilleur véhicule. Meilleur véhicule, franchement. Du coup, nous, il faut construire un arrêt de bus. Donc, on va le construire du côté là. Allez, il y a de la place. Arrêt de bus. Mettons eux, mais je pourrais le mettre chez moi directement. Voilà. Et magnifique. Maintenant, vire de là, toi. Maintenant, nous avons un arrêt de bus ici. Voilà. Du coup, ça, ce n'est plus un arrêt de bus. Et nous avons un arrêt de bus chez nous là-bas. Tellement bien. C'est trop cool. Franchement. Oh là, on a débloqué des choses. 19 schémas de construction débloqués. Waouh, bah attendez, on va essayer de voir tout ça. Beaucoup de décorations, table de travail, mécano. D'accord. Guéridon, voyant, moteur. La vache. Une table basse, pneu. Eh ben. Boîte à outils, chauffeur de bus. Établi, chauffeur de bus. Bureau, mécano, autre stylé. Les sièges, bus de combat, première classe, d'accord. Ah, c'est le fait d'avoir construit ça, du coup qu'on a ça. Un éclairage, arrêt de bus de combat. Un projecteur mécano, lot de 2, lot de 4. Ah oui, d'accord. 2 lumières dessus, 4 lumières. Très bien. Un voyant d'avertissement mécano. Un chandelier feu arrière. Présentoir atelier de bus de combat XL et de combat tout court. Et là-dedans... Nous avons un panneau anti-tempête. Sympa. Oh, nouvelle section. Minibus de combat. Mais tellement bien! Mais c'est trop stylé ça comme décoration. Et ici, en extérieur, un cône de signalisation. Oh la vache les gars. C'est cool ça. Bon, moi du coup, il va falloir que je me mette un coffre. Peut-être que je vais me mettre un coffre. On va mettre un coffre là-bas au final. Faut bien que cette demeure serve quand même. On va rien en faire, donc coffre. Coffre. C'est là-dedans, ici. On peut mettre ça, on peut pas mettre ça. Ah bon, on a ça, donc on met ça, allez. On s'en fout. C'est con d'en avoir un. Pour dire que, quoi. C'est tout. Et c'est surtout pour se vider. Un minimum, parce que regardez-moi ça. J'ai pris tellement de choses qui, au final, n'ai pas besoin. Ça, je garde ça, on peut ranger. Ouais, c'est trouille, on va manger. Faire de la place, dis donc, on est blindé. Rigueur, ça, je peux enlever. Ça, on vire, ça, on garde. Voilà, allez. Il faudrait. J'ai pas du bois là. En vrai, si. Comme ça, je vais transformer ça. C'est là. Ok. Transformer ça en planche. Comme ça, je pourrais me refaire un coffre. C'est bien ça, ouais, c'est planche. Bon, nous, ouais, bah, on fera qu'avec ça pour l'instant, c'est bien. Je vais me refaire un coffre là-bas pour pouvoir ranger les 3 armes là que j'aurai besoin juste après. Et on va se décaler ici pour vider ces merdes là. Voilà. Ensuite, on va se diriger dans une grotte. Un peu partout. Par contre, la grotte là, elle peut m'intéresser. Surtout si c'est pas une grotte. Une grotte comment? Une grotte de Star Wars. Parce que, bah voilà quoi. Si je peux récupérer un peu de comment? De diaphanite, c'est ça? La ressource qui me sert à faire les lumières. Normalement, c'est là-dedans qu'on récupère. Attendez, codette, on efface tout. Qu'est-ce qu'on va débloquer là-dedans? Ah bah si, ça, les éclats, évidemment. Légendaire. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est... C'est
ça c'est? Attendez voir. C'est où surtout? Ça. Tiafanite. Grotte de la vallée aride, donc oui, c'est dans le désert. Ok. Regardez aussi. Il y a quelques animaux en plus. Un petit truc quoi, ça avance. Mais bon. Allez, je vais faire un coffre, on se retrouve à la grotte. C'est une grotte Star Wars. C'est pas grave. C'est ce qu'on voulait aller voir aujourd'hui, dans tous les cas. Ah oui, arrête-toi. Ah oui, j'ai chaud. C'est quoi? C'est pas grave. On va faire avec. Ok. J'aurais peut-être dû prévoir quand même de quoi ne pas avoir chaud, mais pour l'instant, ça va. Ok, donc là, on peut entrer dans la grotte maintenant. J'ai super chaud. Ce que j'ai sur moi, normalement, ça va pas trop m'aider. Je vérifie, mais non. Je pense qu'il va falloir que je fasse un petit aller-retour. Augmente temporairement votre génération d'endurance. Rien des cœurs sur la durée. Pourquoi? Non, ça va pas m'aider. What? C'est bugué en plus. Attendez, je suis bugué. Oui, je suis bugué. Ah, ça y est. Je suis débugué. C'est la grotte. Oh, c'est chaud là-dedans, ouais, super chaud. Bon. Oh. On a vu le début de la grotte. Je reviens, je vais chercher de quoi ne pas avoir chaud. Bon, on a chaud, mais ça passera. J'ai juste pris ceci, et mille chèques. Et voilà, qu'on peut faire avec. Déjà, on va grimper. Ah, tu veux pas grimper? Pas grave, on arrive à voir ce qu'on veut. Comme toi, obsidienne, ok. C'est comme les grottes classiques, quoi. Pas d'énergie, oui, bah oui, évidemment, pas d'énergie. Du cuivre, d'accord. Ah bah du coup, avec un peu de lumière, on le verrait mieux. Ok, ouais, c'est les mêmes minerais, quoi. On devrait trouver des diaphanites là-dedans. Cool. Hâte de courir. Casse-couille. C'est une minerai habituel. Et en vrai, vous savez quoi, on en a pas besoin. Obsidienne à la rigueur, je peux bien garder. Ah comment dire? J'ai cassé encore mes lumières du véhicule. Voilà. Tout simplement. Oh oui. Oh la vache. Ok. Les rubis. Les rubis à la rigueur, je veux bien les prendre, effectivement. Du coup, je vais les farmer. Attendez, par contre, il faut juste que je trouve ce que je veux. Voilà, ça. Pouvoir grimper, ça sera mieux. Magnifique. Pour le farm, je vous le passe, évidemment. Ok, on est bon. Je viens là, on te récupère. Ok. Alors, ah, cassé, mais c'est pas grave. Merci, merci. Je vais récupérer le bois qui est là quand même. J'ai l'impression que je vais en avoir besoin. J'en ai pas beaucoup, 14. Bon, ça fera 15 avec celui-là. Ah, l'énergie par contre, la vache. J'ai l'habitude sur ce jeu. Regardez par contre, je vais me mettre bien avec tout ça. Oh oui, 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 oui. Bon allez, je vais farmer tout ça moi. À moins que je puisse passer de l'autre côté, on va voir. Je farmerai après au pire, c'est pas grave. Même pas besoin de bouger, dis donc. On vient là. Obsidienne. Un coffre, on verra après. Ça va être chiant de pas avoir d'énergie. Obsidienne, des graines, ouais, de toute façon, on va les virer. Hein. Ouais, d'accord. Allez, ça dégage. On va pas s'emmerder avec ça.
Y a du monde, la vache. C'est quand même pas très doué. Ok, okay, je remonte. Je récupère les armes. Oh! C'est pas très doué, mais ils sont quand même nombreux. J'ai pas beaucoup de dégâts surtout. Ça mitraille, mon combi. Mon dieu. Ça va, au niveau de la vie, on est bon. Un truc de dingue qui tire là-dedans. Aïe. Ça va, bon. Ok. Ah, c'est mort. Je vois pas, c'est chiant. La vue, elle est mal gérée sur ce jeu. Je surveille ma vie, évidemment. Allez, vas-y. Elle a plus d'armes. Ok. Voilà, moi ça. Moi. Non, bah on va la garder celle-là. Aïe. Vas-y, donne. Partout. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, on a chaud, bah ouais, ouais, tu m'étonnes. Tiens. Hop, il reste 2 minutes. On en remet, parce qu'après on n'y pensera pas. Mange-moi ça. Ça dégage. C'est long. Très long. Donne-moi ça. Voilà. Ça, je vais le déglinguer. C'est trop bruyant. Merci. Ok. Je sais pas où aller. Il y a trop de choses. Un coffre là-bas. Coffre ici. Ah, il y aura de quoi. Ok. J'allais dire, il y aura de quoi. Ça, ça dégage. Il y aura de quoi farmer là-haut. La torche, je veux bien. Ok. On va partir de l'autre côté en vrai. Tu as l'énergie qui fond tellement vite. C'est horrible. Là j'avais vu un coffre. Ok, on peut peut-être construire. Un obstacle. Maintenant plus des obstacles, bordel. Voilà, magnifique. Du bois,
Le cordon, pour l'instant, on va le prendre. Voilà. Ah, mais là aussi. Oh putain. Je prends. On prend. Humain, on n'en veut pas. Ok. La pioche. Voilà. On a bien fait de venir là avant, il n'y avait que ça. On continue d'avancer. On est quand même à 930 mètres sous la terre. La vache. Mon point il est juste au-dessus. On passe par là. Ok, il y a encore du cuivre, on s'en fout. Tu vas où toi? Alors? Tranquille. C'est bon. Ah merde, on a ferré. On a encore un derrière, ok. Qu'est-ce que tu veux toi? Oh, je t'ai bien loupé lui. Ça va bien plus vite comme ça. Voilà. Je suis bugué. Ouais, bon, ça prend un peu du cul tout ça, mais bon. Bon, rien d'écœur sur la durée, c'est bien. Tombe. Ah bah non, tombe pas en fait. Calme-toi. Voilà. Oups. Oui, chaud, on sait, c'est pas grave. Regardez-moi ça encore. Ouh, aïe. Alors. Il y en a qui est passé là-haut. Aïe. Ça va, on gagne de la vie, on s'en fout. Aïe. On va leur faire mal comme ça directement. En plus, on n'a qu'une épée bleue. Ah ouais, venez, venez. Aïe. C'est bien, la vache. Mange. Ouh.
tellement de choses en vrai. Impossible de sprinter. Sérieusement. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est trop chaud. Il y a trop de choses, Et les cœurs augmentent l'endurance, vas-y. Mon dieu. J'ai tout boire histoire de faire de la place. Histoire de ne pas les mettre par terre, voilà. Waouh, waouh, waouh. Trop chaud, trop chaud. Oh putain, mais il y a une tarte aussi là, la vache. Trop de choses, vire-moi ça. Il y a beaucoup trop de choses, dire-moi ça. Mon dieu. Et... c'est où mes boissons? Là. Voilà. On va faire un petit coup. Ça va pas être trop trop utile, mais c'est pas grave. On peut plus sprinter. J'espère que c'est juste parce que j'ai chaud, mais c'est bizarre. Il faudra peut-être faire une déco reco encore une fois. C'est bon sur ce jeu. On va voir ici. Ça rigole pas quand même ces grottes. On a du monde là-dedans. On peut s'asseoir, d'accord. Est-ce qu'on peut monter? Oh, je pense qu'il y a moyen de monter quelque part. Non, même pas. T'as rien là-haut? Ah bah non, y'a rien là-haut, autant pour moi. Alors, je vais faire une déco reco pour voir si c'est un bug ou si c'est à cause de la chaleur que je peux pas courir. Et donc, eh ben, c'était un bug, ok. Voilà, voilà. Super, on adore. Chiant, les bugs sur ce jeu. 0 de scrap, on va les reprendre, mais bon. Ah, ok. Mettre ça là. Hop, on met les torches en attendant. On va continuer d'avancer. Oh! Salut toi! Ok, on va t'avoir depuis en haut. Pas un problème. T'inquiète pas pour moi. Je suis plus malin que toi. Voilà. Un nid de cordon à la rigueur, ouais, allez. Voilà. Oh, c'est stylé! Mon dieu. Ça c'est l'obsidienne. Il y aura des rubis à prendre. Il n'y a rien, on est d'accord, on avance. Je sais pas si j'ai déjà fait le tour ou pas. En fait quand c'est comme ça, j'aurais mettre des torches pour me repérer. Et non non là j'ai pas été. Waouh. Ah ouais, j'ai vraiment pas été là, effectivement. Mon dieu. Encore des rubis à prendre là-haut. Mon dieu, mais comment? Stop. On arrête les conneries. C'est un grappin? Oui. Voilà. On prend ça, le reste, on s'en fout. Oh, il y en a partout. On prend ça, on prend. J'aurais pu y aller par là en vrai. Mais c'est pas grave. Ça je prends et le reste je prends pas. Wouah! J'ai flippé ma race! Donne-moi ça. Donne-moi une torche. Et on y va. Aïe. Merci. Merci, merci. Voilà, merci, merci. Tout va bien.
Toujours rien d'intéressant. Je pense que je devais arriver de là-haut. Ouais, c'est ça. Ok. On va descendre pour aller chercher un coffre. Les minerais. Mais bon. Ah, les grottes, qu'est-ce qu'on adore? Pas du tout. Débile, reste là, bordel. Saloperie. Waouh, mais c'est énorme ça. Un coffre en bas, je l'ai vu. Non. Non, bah, c'est peut-être les minerais que j'ai vu. C'est chaud patate, c'est moi qui vous le dis. Là. T'es où? Là. Bugué. Hop. Ça pique un peu le cul, mais ça va. Ça pique un peu le cul, mais ça va. Hein? Salut! Cassé. Ah, cassé. Là, 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 là. Salut. Ouais, on a pris un peu de dégâts cette fois. Ouais, ouais, disons qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Arbalète, à toi de jouer. Ah, on fait des bons dégâts, là ça va aller plus vite. Trouver mes cœurs quand même. Ok. Ok. Viens de là. Ah bah il y en a encore un là. Ok. Ah, encore un qui arrive. Ah vache. Allez hop, plein de tête. Coupé. Ah, pleine tête. Voilà, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, les crayons, je m'en fous. Les armes, je veux bien, les gars. Je vais m'amuser avec. Ça peut tellement être ma miniature, ça, par contre. C'est un truc de dingue. Ah ouais, ouais. Alors, oula, blindé.
reste, on a juste chaud, il reste 33 secondes. On va reboire un coup. Voilà. Toi, tu viens là. On a du piment à enlever. Ok, ça c'est bon. Oh, donne-moi des armes, la vache. Tout ce qu'on a au niveau armes. Toi. Ça, ça. Magnifique. Comme ça et ça. Bon, voilà. Sacré forteresse quand même. Attendez, ça je casse. Voilà, calme-toi. On va déjà regarder au rez-de-chaussée. Ouais, je peux mettre un lit. Rez-de-chaussée, rez-de-chaussée. Ouais. Bon bah, à l'étage du coup. Par où je grimpe. Je vais retrouver, vous inquiétez pas, voilà, là. Ah, on peut encore grimper, ok. On peut s'asseoir. Ok. Bah allons voir là-haut. Rien. Une table. On peut rien en faire. C'est stylé quand même. Mince. Je remonte. Non, je remonte. Je redescends pas, je remonte. Je tombe avant de voir. Non, il n'y avait rien, c'est bon. Ok, continue d'avancer. Oh. What? Il y a du bruit là, on va aller voir. On peut fouiller, ok. Oui, c'était quoi? Ok, on s'en fout, un sabre laser rouge. Ah mais oui, j'avais un sabre laser aussi, c'est vrai. Ah bah un peu tard maintenant. Hop. Mais bon, c'est quoi ça? Détonateur thermique. Ok. Ça on va enlever. Sabre laser rouge, on prend. Bois, torche. On verra, je le garde évidemment. J'ai envie d'enlever... Le granit, il y en a partout en vrai, on s'en fout. Et maintenant, il veut l'arme. Oh, mais il y a encore un coffre ici. Ça, et c'est tout. Ah, mais là aussi, oh putain, il y en a partout. D'accord, tellement stylé. Alors, on sort de la grotte, mais de quel côté on va voir? Oh! On ressort au même endroit, tellement bien. C'est cool. Alors, c'est pas du tout pareil, mais on ressort au même endroit. Du coup, moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller me vider un peu. Et je vais peut-être améliorer aussi. Non, casse-toi. Peut-être aussi voir pour améliorer le village. Je vais revenir là, dans tous les cas, pour farmer. Donc, pour finir, comme ça. Tu mets ça là. Oh merde, pardon. Ah, c'est fini. Il y a juste un truc qui me plaît pas, moi. Aïe. C'est ici. Voilà. Donc, on va regarder là-dedans. Dans les sols, s'il vous plaît. Le plus petit. Ok, ça fonctionne.
J'ai envie de faire comme ça. Mieux. Ouais. J'aime bien faire mes sols comme ça. Et là, on a un coffre. Donc, coffre, je suis d'accord, mais attendez. On va s'armer un peu avec les armes là. Quand même. Voilà. Une arme quasiment morte ici, voilà. Je vais pouvoir vous montrer le sabre laser aussi. Je m'en suis déjà un peu servi. Attention, j'aurai bientôt faim encore. Ah oui. Ok, l'arme est cassée. Sabre laser. Viens me voir. Ça, tu l'as niqué pour moi, merci. Voilà ce que ça donne, le sabre laser au final. C'est tout. Pas plus, pas moins. On va aller voir le coffre, mais avant, je vais vers ça. On va manger ça. On récupère l'arme. Peut-être qu'elle est d'un peu partout. On va aller niquer. Ça niquera l'arme surtout. Ah. Oups. C'est pas grave. Ça fera de la place. Et donc, on fouille. Voilà, voilà. Du pain. On va manger tout ça, évidemment. Rien de maïs. On n'en veut pas. Le maïs, par contre, on le mange. Oui. Et ça, on prend. Ouais. Encore un squelette là-bas. Très bien. Ça dégage. Trop de choses dans l'inventaire, comme d'habitude. Je vais ranger les armes en surplus. Oh, mes œufs, ils sont là. Aucune idée. C'est pas grave. Les armes là, ici, ça, ici, pour l'instant. On va voir que j'ai des nonos. Les nonos, on les vire, on en a pas besoin. Comme cette porte. Alors, là-dedans, c'est des trucs qu'il va falloir que je ramène à ma base principale. Donc, le duracier, pareil, parce que ici, je peux rien en faire. Vire. Ouais, voilà. D'ailleurs, à des conneries. Ça aussi, ça n'est pas là. Ça s'est ramené, ça s'est ramené. Voilà. Et ici, on a donc un coffre spécial ressources Star Wars. La brute, ça va être à ramener. Les griffes, on va pouvoir les ramener. Soit ça, c'est pareil, ça a ramené. Ça, on va reconstruire mon véhicule. Ça, ça a ramené. Le bois, on garde. Ça, on peut ramener. Ça, on garde. Parce qu'on en a toujours besoin. Tiafanite, ça a ramené. Dans tous les cas, il faudra que je continue de farmer. Ouais, ouais. Voilà. Il y a la viande là-dedans. Allez. Hop. Allons voir. Je sais pas si la tour a augmenté ou pas. Si c'est bon. On peut donc améliorer. Château rebelle. Waouh. Truc de dingue. Château rebelle. Wow, j'ai envie de le faire celui-là, je vous le dis. Il va être fait totalement. Je sais pas où. Il faudrait que je prenne le temps de continuer de fermer tout ça. Pour être sécurisé. Oh ah, c'est peut-être ça le château rebelle. Ah non, c'est une tour de guet rebelle. Ah, d'accord, je viens de faire une tour de guet, j'ai une tour de guet rebelle à faire. Youpi! Bon, bah, je me ferai ça en temps voulu, dans tous les cas. C'est fini pour aujourd'hui. Je termine juste de débloquer les schémas. Donc là-dedans, les murs comme ça. Voilà. De toute façon, la tour, je peux la construire la tour. Je vais la redémonter, je pense, au final. Je voulais mettre une tour dans chaque coin.
Donc elle va pas être dans le coin celle-là. Ouais, on verra bien, mais bon. Pour moi c'est tout vu. Ah, c'est là mes pics que je cherchais. Ouais, j'ai trouvé plus. C'est pour ça qu'ils sont pas installés. Et là dedans, une bannière rebelle. Ok, et parabole escadron. Ok. Et donc on aura ça à construire, sauf que comme je vous dis, si je viens là, tac, je prends ça. Voilà, l'angle est là-bas. La tour, elle me plaît pas du tout. Je la ferai, y a pas de souci. Parce qu'il me la demande. Mais elle m'intéresse pas du tout. Moi, il faudra que je ferme tout le long de chaque côté. Calmez-vous, vous. Bordel. Le loup là. Débile. Donne-moi-toi. Ras-le-bol. Ras-le-bol. C'est tellement bruyant, c'est con. Poupoule. Merci. Voilà, bon bah encore des petits trucs à ranger avant de s'arrêter. De toute façon, je vois le temps d'enregistrement. Je me dis que moi je me suis. Comment dire. J'ai fait de la merde quoi, c'est couillu. Simplement. Pour l'enregistrement, il y a un moment où j'ai pas dû mettre pause. Donc je verrai bien lors du montage ce que j'ai enregistré, ce que j'ai pas enregistré. Et voilà. En tous les cas, on va s'arrêter là parce que clairement. Toi tu laisses mon pote tranquille. Clairement la brute elle m'a saoulé de détruire ce que je venais de construire. Elle a détruit une bonne partie ici aussi. Il faudrait que j'arrive à reconstruire ça, mais ça va être compliqué. Faudrait que je regarde un peu quoi mettre. Je sais plus comment c'était, mais je pense que je vais avoir besoin de sol comme ça. Voilà. Truc du style. Quand on voit, c'est pas le même truc. Donc vous voyez, c'est pas. C'est pas le top top. Bref. Il faudra que je regarde pour reconstruire ça. J'ai beaucoup d'orcam à faire au final. Avant le prochain épisode. Donc le prochain épisode il est pas prêt d'arriver. Moi je vous le dis. Reconstruire ça. J'aurais bien finir de construire tout autour. Je mettrai mes tours de guet. Non moi je vous récupérerai. Une fois que j'aurai fermé tout autour. Pour reconstruire ça je vous récupérerai. La prochaine fois. Pour construire ceci. Ah il faut déjà le farmer aussi. Entre temps. Donc ouais. Le prochain épisode n'est pas prêt d'arriver. Mais bon. Satisfaisant quand même d'avancer avec la petite tour de guet. C'est cool. On va quand même aller voir. Aïe. J'ai oublié cette fois de mettre mon parachute là. En delta plane. On a besoin de quoi ici? Donc, protocole de surveillance, phase 2 sur 3. Les capitaines bravo améliorer les défenses de l'avant-poste. Oui, ok. Donc, c'est ce qu'il faudra gérer. Protéger l'avant-poste rebelle en éliminant des officiers. Ok, il n'y a pas de souci. Et après, on pourra passer au niveau supérieur. Très bien. Et ben moi, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !